Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. On est dans votre bureau ou dans l'un de vos bureaux. Il y a quelques minutes, on m'a dit que ce n'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux à l'Élysée. J'ai deux bureaux à l'Élysée. Ici, c'est le bureau historique ? C'est le bureau historique, oui, le bureau officiel. Vous vous êtes trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler ? Et j'ai un bureau où s'accumulent les dossiers, le désordre et... Donc ça, c'est le bureau rangé. Les dossiers que je... Voilà, ça, c'est le bureau rangé. C'est là aussi, c'est honnête avec vous. C'est le bureau de la photo aussi. Si, Nous sommes là pour poser les questions qui sont dans les colères du pays. Et elles peuvent vous déplaire, mais nous sommes là pour le faire. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous y passez finalement beaucoup de temps dans ce ou ces bureaux ? Donald Trump, il se moque bien du sort du peuple syrien. Sa cible, c'est l'Iran. C'est l'accord sur le nucléaire iranien qu'il veut faire tomber. Alors, comment vous faites pour ne pas vous trouver dans une situation où vous allez être pris dans la surenchère guerrière de cette obsession anti-iranienne qui est celle des États-Unis, de Trump, des dirigeants actuels de l'État d'Israël et de l'Arabie saoudite dont vous avez reçu le prince la semaine dernière? C'est pas une légende, donc finalement vous dormez très peu. Il y a un problème, j'emploie pas le mot guerre, il y a un problème démocratique en France dès que les armes parlent. On avait découvert le candidat En Marche, on a découvert un président Macron qui court. Vous courez beaucoup depuis 7 mois. Il y a un problème, j'emploie pas le mot guerre, il y a un problème démocratique en France dès que les armes parlent. L'Élysée, on vous rappelle que le temps est important. Partout, depuis que je suis arrivé, j'entends tic-tac. Il y a cette horloge, ici, elle est là. On va passer peut-être dans le salon vert dans quelques instants. On verra que les horloges, elles sont partout. Elles vous rappellent que ça va vite, un quinquennat ? Vous traitez les étudiants d'agitateurs professionnels. Ah non. Friands, c'était votre expression, friands de diplômes en chocolat, tandis que les CRS entrent dans les universités. Vous envoyez par ailleurs 2500 gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, expulser 200 résidents de la ZAD et détruire une vingtaine de baraques où s'inventaient des choses, des lieux de vie. C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68. Monsieur le Président, on arrive en fin d'année, ça fait 7 mois que vous êtes président de la République. Vous leur dites quoi aux Français ? Il y a ce sapin qui est là, c'est une période particulière pour les Français. Vous leur dites, n'ayez pas peur de toutes ces révolutions que je leur propose, vous propose ? Vous avez eu au premier tour 18% des inscrits. Et vous êtes le produit d'une circonstance accidentelle, exceptionnelle, comme Jacques Chirac en 2002, face à l'extrême droite. Et donc, est-ce que le problème qui explique notre tension, c'est que, au lieu d'avoir tenu compte de la diversité de ces votes, vous considérez que sur ce socle de 18% des inscrits, vous avez carte blanche, chèque en blanc, et vous pouvez y aller en force, comme je vous le disais tout à l'heure, et pas en marche. Est-ce que ce n'est pas ça le cœur du malentendu et des mécontentements divers dans le pays ? Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup.